c'est Kem, Nero et une autre personne. D'accord, Cizox, merci pour les infos. Moi, le chaudron. Pardonnez-moi. Je suis vraiment désolé. Ok. Merci de nous faire un stream pour nous présenter ça. Avec plaisir, Virus. Trop gentil. Ok, là, il s'est transformé en chauve-souris. Il va sûrement venir ici. Là, il s'est transformé en loup. Et il m'a déjà hit. Waouh, ça, c'est puissant quand même. Hein. Ça a l'air phénoménal. Hein. Ça a l'air vraiment phénoménal. Moi, je pense qu'il faut baisser en avance. Comme ça, là, il est obligé de casser. Soit il casse. Tu vois. Il peut encore. Hein. Il peut encore faire un bond. Là, il est passé en Dracula. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va, le brain est bien passé de ma part. Le brain est très très bien passé. Là, il est en chauve-souris. Ok. J'aime bien ce qu'il fait, Stuart, parce qu'par contre, ils ont restructuré plein de loops. Hein. Et là, il va se mettre en forme bestiale. Non, en Dracula. Ok. Pff, encore du brain de fou, là, que je propose. Je baisse la palette. Il passe au-dessus. Je passe au-dessus. Par contre, les amis, faut jouer normalement. C'est-à-dire que si vous pouvez faire les gènes, vous les faites. Hein. Faut jouer normalement. Moi, on fait une vraie game, hein, là, c'est les amis. Hein. Faut réellement jouer. Hein. Moi, je suis à fond. Hein. Je donne tout pour que matcher soit agréable. Si vous faites rien, les gars, c'est dommage. Après, c'est PTB, mais on est là pour jouer aux jeux vidéo, quoi. Pour l'instant, la prestation loop, elle est pas mal. Hein. Après, on voit que c'est quelqu'un qui essaye beaucoup. Wouah, il a failli m'avoir. Je m'y attendais pas. Non, pourquoi j'ai pris médium? Pourquoi ça m'a pris en médium? Ça a aucun sens. Ça devait prendre tous les jours fast volt. Bon, bien joué. Il a été meilleur là-dessus. Bon, c'était une bonne chase, hein, ça. Très très bonne chase. Hein. Tu peux aveugler le loup? Bonne question, mais j'ai pas de flash. Oh, le tueur, il a l'air vraiment insane. Hein. Franchement, il a tout ce qu'il faut pour être un très bon tueur. Vraiment. Il y a tout ce qu'il faut pour être un excellent tueur. Il y a pas photo. Il y a vraiment pas photo. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est ouf qu'il puisse se transformer et attaquer instant. Ouais, il n'y a pas de cooldown au niveau transformation, ça c'est puissant. Après, il y a un petit cooldown quand tu, veux arriver en loup, tu dois quand même l'anticiper. Tu dois anticiper la transformation. Mais effectivement, si tu arrives à l'anticiper en étant pile sur le survivant, t'as pas de cooldown, tu peux instant taper. Ça c'est puissant. Vraiment intéressant. Tu vois, là il arrive. Ok, j'ai de la chance qu'il me tunnel pas parce que la vérité, je suis blessé, je fais le gène. Après, je suis un peu obligé parce que là, les gens étaient en mode pas vrai game. Ils pensaient pas que c'était une vraie game. Et donc, ils faisaient pas les gènes. J'ai pas trop compris pourquoi. Du coup, heureusement que je leur ai dit de jouer normalement, quoi. Parce que là, faut jouer normalement. Merci pour ton follow, Pastis. C'est très gentil. Moi aussi, je viens du 6-3. Merci à toi. Très bonne chase, mais zéro gène. Après, c'est pas grave, Lindblum. C'est parce qu'ils savaient pas qu'il fallait jouer la vraie game, quoi. Enfin, une vraie game. Donc là, j'ai un ralentissement de 3... J'ai une pénalité de 33% de réparation de générateur. Il y a un totem qui m'est assigné. Ok. Donc faut que je trouve ce totem et je le détruise. Je le détruise. Ok, le cours s'est freiné qui m'aide à esquiver justement les chauves-souris. C'est pas mal. Enfin, la transformation. Lui, il peut pas passer au-dessus de la fenêtre. Mais il peut... Bah, oui. Ah, mais si, il peut passer alors. Putain, on l'a pas vu tout à l'heure. Putain, Tom, si tu m'entends, il faut rajouter le passage là où il peut passer la fenêtre. Parce qu'en fait, il peut prendre la fenêtre. Merde, j'ai mal joué là. En gros, il peut passer... Oh, c'est pas con ça. Il peut passer au-dessus de la fenêtre en appuyant sur espace, mais pas avec le bon virulent. Donc en loup, il peut quand même passer la fenêtre. Mais il doit appuyer sur espace. Voilà. Ça, il faut que tu le montres, Tom, si possible. Quand on essaye de voir s'il peut passer au-dessus de la fenêtre, il faut que tu le montres dans la vidéo. Putain, faut que je dise à Tom. Mince. Bien joué. Aïe. Y a pas de nouvelle map. Y a juste le château de Dracula qui apparaît sur chaque map design créé par les développeurs. Chaque map originale de DBD. Oui, j'ai montré le Mori plusieurs fois, Libellule, mais t'inquiète pas, il y a une vidéo qui explique tout qui sera sur ma chaîne YouTube dans quelques minutes.
Il est très grand, ouais. Dracula est très grand. Alors, quand il est en forme bestiale de loup-garou, enfin de loup plutôt, c'est pas un loup-garou, quand il est en forme bestiale de loup, il peut pas passer au-dessus de la palette, mais il peut effectivement la casser avec son bon virulent, avec son bon. Faut que je dise à Tom. Ah, c'est vrai, je peux pas alt-tab. Putain. Tom, tu peux récupérer la scène du loup qui passe fenêtre, c'est vers 1h18. Le loup peut passer au-dessus de la fenêtre via la touche espace, mais pas avec le bon. Et mettre cette scène quand on a essayé de faire passer le loup au-dessus de la fenêtre via le bon. Le bon fonctionne pas, mais la touche espace, ça fonctionne. Parce que le loup, il peut quand même passer la fenêtre. Ça, c'est une information importante quand même. Il sort quand Dracula? Le 27 août. 27 août, 17h, toute plateforme. Sauf mobile, ça c'est plus tard. Je crois qu'ils vont peut-être réussir à faire le dernier générateur. Je vais essayer de me diriger vers une porte. Vous voyez là, on voit le château de Dracula. Juste à côté de la lune. L'éclipse. Parce qu'on voit le château de Dracula, parce que Dracula est le tueur de notre game. Le nouveau tueur a l'air incroyable, Baka, vraiment. Ça a l'air impressionnant. Waouh. Il a tout ce qu'il faut pour réussir, ce tueur. La téléportation, les déplacements rapides, le bon, le hit au-dessus des obstacles bas, le hit à travers les fenêtres au-dessus des palettes, le cassage palette avec pouvoir, le passage fenêtre et palette avec pouvoir de chauve-souris, le cassage, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'a besoin un tueur pour résister dans toutes les possibilités possibles. C'est-à-dire... un loop palette fenêtre, il a de quoi résister. Un loop avec des hauts murs, il a de quoi résister quand même. Un loop avec des bas murs, il peut hit. La palette n'est plus un problème. Il y a des tas de choses. Non, c'est très intéressant. Par contre, lui, il joue que en loup. C'est dommage qu'il profite pas d'essayer de jouer son fire. Tu sais, il essaie pas de jouer son fire, c'est dommage. Il devrait essayer de jouer un petit peu vampire, parce que le vampire, il a vraiment un pouvoir insane, hein, le vampire. Le vampire, il a vraiment un pouvoir insane. Hein. Le pouvoir du feu brûlant, là. Les colonnes de feu, ça peut être vraiment insane. Hein. Par exemple, la colonne de feu, là, il peut me toucher à travers la fenêtre. S'il essaye, bien sûr. Incroyable. Vous avez vu? C'est dingue. Vous avez vu? Comme c'est dingue. Non, mais c'est de la tuerie. Je te jure que ce vent... Mais tout le monde va jouer vampire. Tout le monde va jouer Dracula. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Jure, c'est une pure tuerie. Ah, j'ai besoin d'une protection, les gars. Protection, je suis phase 3. Après, j'aurais pu sortir, mais j'ai voulu jouer le jeu, quoi. Oh, aïe. C'est vraiment incroyable. Hein. Le tueur a tout pour réussir, a tout pour être un super tueur. Qui peut être, je pense, agréable à affronter parce que tu peux, je pense, dodge. Donc tout tueur qui utilise pouvoir pour hit, bah tu peux dodge. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur quand même. Hein. Ça fait trop flipper le bruit des chauves-souris. Il arrive. Ça fait trop flipper. Oh là 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 là. Ce tueur est incroyable. Oh, je suis vraiment... Ah, oh, j'adore. C'est incroyable. Ah, oh, c'est incroyable. Tu as moins de vitesse transformée qu'en normal. Je sais pas du tout. Ah, c'est dingue, le Seigneur des Ténèbres. Ah, c'est juste dingue. Franchement, super le tueur. Hein, vraiment adorable. Il a fait tout ce qu'il faut. C'est nickel. Hein. Je sais pas qui c'est, mais c'est nickel. C'est Sizox, je crois. J'ai mis un beau move à Sekem. Dommage que t'as pas vu. Ouais, mais tu m'as mis un beau move aussi avec les colonnes de feu. C'était magique. Hein. Magnifique.